Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous apprendre à connaître votre poésie. Bah, pas trop par cœur, mais à l'apprendre. Essayez bien d'apprendre. Je vais m'aider du cosmonaute et son hôte. Comme je n'ai pas de montage, je ne pouvais pas vous montrer comme ça. J'ai toujours un réflexe de faire ça. Comme mes vidéos précédentes, j'avais Filmmaker qui m'a bien aidé pour mes montages vidéo. Donc commençons cette vidéo. Je vais chercher ma poésie, je reviens. Et donc on se retrouve. Excusez-moi, je suis enveloppée. J'ai très froid. Donc on se retrouve avec mon sac, avec le signe chinois. Ou japonais, je ne sais pas. Mais bon, on s'attaque pas à ça. Je vous sors ma poésie de suite. Voilà. Le cosmonaute et son hôte. Je vous la sors comme ça. Je pourrais vous montrer la prochaine vidéo que je vais sortir, dessiner la poésie. Je vous la lis. Le cosmonaute et son hôte. Sur une planète inconnue, un cosmonaute rencontra un étrange animal. Il avait le poil ras, une tête trois fois cornue, trois yeux, trois pattes et trois bras. Est-il vilain ? Pensa le cosmonaute en s'approchant prudemment de son hôte. Son teint a la couleur d'une vieille échalote, son nez a l'air d'une carotte. Est-ce que un rongeur, soudain une vive rougeur, colora plus encore le visage tricolore. Une surprise sans borne fit chavirer ses trois yeux. « Quoi rêve-je » dit-il. « D'où nous vient juste cieux ?» Ce personnage si bizarre sans crier gare, il n'a que deux mains et deux pieds. Il n'est pas tout à fait entier. Regardez comme il a l'air bête. Il n'a que deux yeux dans la tête. Sans cornes, comme il a l'air sot. C'était le voyageur arrivé de la Terre, que par l'air l'être planétaire, se croyant seul, parfait et digne du pinceau. Il trouvait au terrien un bien vilain morceau. Nous croyons trop souvent que seule notre tête est de toutes plusieurs parfaites. Pierre Gamarra. Comme vous avez pu le voir, j'ai galéré à la dire. Elle est super longue. Mais moi, j'ai une astuce. Je ne la connais pas moi non plus. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà faite. Mais bon, je vais quand même le faire. Donc moi, je vais sur YouTube et je tape le cosmonaute et son hôte. Il y a une belle poésie et beaucoup de commentaires. Vous pouvez vous aider des commentaires. Par exemple, moi je l'ai faite cet après-midi. Moi je la fais cet après-midi. Je la récite cet après-midi. Et vous vous dites aussi que vous voulez la réciter cet après-midi et que vous ne l'apprenez pas. Donc, vous l'écoutez. Et vous l'écoutez trois fois au moins. Après, vous arrêtez. Et vous lisez votre poésie avec votre feuille. Vous la lisez. Vous baissez la feuille. Vous retenez ce qu'il y a dans votre tête. Vous la donnez à votre père. Votre père vous la fait réciter. Vous demande qu'est-ce que vous avez compris. Votre père ou votre mère vous demande qu'est-ce que vous avez compris de sa poésie. Parce que je trouve que moi, quand on récite une poésie et qu'on ne sait même pas déjà ce que ça veut dire, c'est sûr qu'on ne peut pas l'apprendre. Donc c'est sûr qu'il faut toujours faire un effort de essayer de la comprendre pour bien y arriver. Donc, pour continuer, récitez-la trois fois au moins, vous aussi, avec votre feuille, avec vos parents.
Ensuite, vous réécoutez la poésie sur internet, vous la refaites en cachant la feuille et en ne pas écouter et n'écoutez pas. Et ensuite, vous pouvez vous aider des dessins que vous avez faits. Vous voulez vraiment voir mon dessin? Je l'ai même pas fait! Même pas colorié. D'ailleurs, motivez-vous, essayez d'être en forme pour la réciter et récitez là plein de fois. Plein de fois dans la journée. Par exemple, si vous allez en balade mais vous avez oublié de la réciter, pensez-y. Prenez la feuille, par exemple moi cette feuille-là, comme je sais, je ne la connais pas, sur la route de l'école pour demain jeudi. D'ailleurs, demain jeudi, il y en a qui vont passer et ça se trouve moi aussi je vais passer, donc sur le chemin. Le cosmonaute et son autre, je la relis et puis basta quoi. Et si vous passez pas, vous avez encore des jours à passer. Nous, c'est jeudi ou vendredi qu'on passe. Donc, je suis très heureuse si je passe vendredi. Je croise les doigts comme ça, il faut que j'ai le temps de faire mon dessin. Mais je vais passer à une autre vidéo juste après pour vous montrer comment faire mon dessin. Mais mon dessin, oui, je l'ai déjà à moitié commencé. Mais il faut que je fasse le cosmonaute, et le colorier. Donc, je vous fais ça dans une prochaine vidéo. Mais là, on ne se quitte pas tout de suite, car je vais essayer de la réciter avec vous. Le cosmonaute et son hôte. Sur une planète inconnue, un cosmonaute rencontra un étrange animal. Il avait le poil ras, une tête trois fois cornue, trois yeux, trois pattes et trois bras. Est-il vilain ? Pensa le cosmonaute. En s'approchant prudemment de son hôte, son teint a la couleur d'une vieille échalote. Son nez a l'air d'une carotte. Est-ce un ruminant, un rongeur ? Soudain, une vive rougeur colora plus encore son visage tricolore. Une surprise sans borne fit chavirer ses trois yeux. « Quoi rêve-je » dit-il. « D'où vient, juste cieux ? Ce personnage si bizarre sans crier gare ? Il n'a que deux mains et deux pieds. Est-il pas du tout à fait entier ? Il n'est pas du tout à fait entier, tout à fait entier. Regarde comme il a l'air bête, il n'a que deux yeux dans la tête. Sans cornes, comme il a l'air sot, c'était du voyageur arrivé de la Terre qui parlait l'être planétaire, se croyant seul, parfait et digne du pinceau, il trouvait un terrien et bien vilain morceau. Nous croyons trop souvent que seule notre tête est toute la plus parfaite. Pierre Gamara. Comme vous avez pu voir, il y a un moment que j'ai fait des gestes. La prochaine vidéo, ça sera pour le dessin. Et là, la troisième vidéo à propos de cette poésie, ça sera comment faire des beaux gestes. Donc je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo YouTube, ou plutôt à tout de suite, ou après à tout de suite. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Bye!